des personnages en pâte à modeler, des ados qui se posent plein de questions, une patineuse très talentueuse mais pas très honnête, et la suite spirituelle de l'étrange créature du lac noir. Ce mois-ci, on parle de Cro-Magnon, le labyrinthe, le remède mortel, Moitonia et la forme de l'eau. Cro-Magnon, sorti le 7 février en France, est réalisé par Nick Park. Le studio d'effets spéciaux est Aardman Animation et le studio d'effets visuels est Axis VFX. Il y a 1350 plans truqués par ordinateur. Le studio Aardman s'occupe de créer les maquettes et les personnages qui ont la particularité d'être animés en stop motion, à la main, image par image. A noter que le studio a également un département image de synthèse. Les personnages miniatures possèdent une armature métallique avec des rotules pour les articulations. Le visage, les bras et les jambes sont en pâte à modeler, avec une couche de silicone qui permet au modèle d'être plus résistant aux différentes manipulations des animateurs. En revanche, les zones des yeux, du nez et de la bouche sont fabriquées en résine plastique. Ce matériau permet d'être beaucoup plus dur et stable, car la particularité à connaître en termes d'animation est que pour les expressions de bouche, ils en fabriquent toute une gamme qu'ils remplacent sur le modèle image par image. Chaque personnage principal possède à peu près une vingtaine de bouches possibles. Les personnages secondaires en ont moins, ce qui en fait approximativement 3000. Du coup, le nez et les yeux sont de la même matière pour servir de point d'accroche à l'installation répétitive des différentes bouches. Cette méthode de remplacement est pratiquée depuis 2000 avec Chicken Run, car elle permet de gagner un temps considérable sur l'animation. Au final, les 273 marionnettes sont fabriquées par 23 artistes, sur une période de 30 mois. On peut compter 33 animateurs travaillant sur 37 plateaux simultanément. Le plus long plan dure 40 secondes et nécessite 8 semaines d'animation. Et en tout, l'animation du film dure 18 mois. Concernant les effets numériques, le studio Axis avait déjà travaillé avec Aardman sur leur précédent film Shaun le Mouton en 2015. C'est un studio anglais situé à Bristol et 50 graphistes ont travaillé sur le film. La séquence d'ouverture est la plus grosse partie VFX, à commencer par la Lune et la Terre en 3D, ainsi que le météore et tous les effets dynamiques lors de l'extinction des dinosaures, avec des simulations de lave, d'eau, l'explosion cosmique, ou encore de la fumée et du feu pour compléter l'atmosphère des maquettes déjà présentes. Toutes ces simulations FX sont synchronisées et en rythme avec les environnements et personnages en stop motion. Ils font également 3 séquences dans le stade où se déroule un match de football primitif. Il y a déjà une miniature pour le village, le stade et les montagnes, mais la 3D intervient pour étendre le stade et rajouter une foule de 20 000 spectateurs. La section animation 3D du studio Aardman crée 40 personnages numériques disposant de 25 variations d'animation. Les modèles sont donnés à Axis qui s'occupe de créer la foule, car remplir les tribunes par de vraies marionnettes aurait été un vrai calvaire pour l'animation. Il rajoute également de la pelouse virtuelle ainsi que des effets atmosphériques. Au total, plus de 200 personnes ont travaillé sur le film. Le labyrinthe Le Remède Mortel, également sorti le 7 février, est réalisé par Wes Ball. Les studios VFX en charge sont Weta Digital, ainsi que le studio interne de la Fox, car c'est eux qui produisent le film. Il y a 970 plans truqués. La Fox s'occupe de plus de 200 plans, tandis que Weta est le principal prestataire avec 678 plans. Ils font la séquence d'ouverture avec le train filmé en Afrique du Sud. Le réalisateur tenait à ce que les acteurs effectuent eux-mêmes leur cascade. Donc pour des raisons de sécurité, tout est filmé à l'arrêt. Sur les lieux, il y a donc le train et la voiture présentes, mais toujours statiques. Les acteurs sont alors filmés sur fond vert avec un souffleur pour simuler le vent. Pour créer l'illusion du mouvement, les roues de la voiture et du train sont rajoutées en 3D pour qu'ils roulent à toute vitesse. Le fait de filmer les acteurs sur les lieux réels permet d'avoir un éclairage cohérent avec le décor. Le fond vert permet donc d'incruster un environnement virtuel basé sur celui déjà présent, mais défilant rapidement. Et il rajoute bien sûr les traînées du train au sol. Pour l'environnement de la dernière ville, il rajoute des centaines de bâtiments futuristes. D'ailleurs, comme il y a beaucoup de scènes de nuit, leur nouveau moteur de rendu Manuka leur permet carrément de créer les intérieurs avec un éclairage, sans pour autant exploser les temps de rendu. Là où autrefois, il leur fallait simplement projeter une image d'intérieur éclairée, ce que font encore tous les autres studios normaux. Pour les destructions et explosions, ils utilisent leur propre simulateur dynamique, Synapse. Les explosions sont d'ailleurs souvent un mélange de pyrotechnie réelle augmentée avec du numérique. Pour la foule, ils utilisent toujours Massive. A la base, le personnage infecté, Lorenz, ne devait pas avoir le nez détruit. Mais en cours de post-production, l'idée est venue et ils ont donc intégré un nez coupé. Du coup, ils font un tracking de son visage qui ne possède aucun marqueur. Habituellement, les marqueurs sont des points de repère permettant au logiciel de suivre et analyser plus facilement les attributs du visage, pour mieux superposer l'élément 3D par-dessus. Les VFX du film ont demandé un an de travail.
Moi Tonya, sorti le 21 février, est réalisé par Craig Gillespie. Le studio VFX en charge est 8VFX. Il y a 215 plans truqués. Le film est tourné à Atlanta. Certains plans séquences sont un mélange de plusieurs prises collées bout à bout. Un des principaux travaux du studio consiste à remplir un stade d'une foule virtuelle. Le stade est scanné en 3D pour avoir les bonnes proportions, puis reconstruit afin d'avoir un modèle plus léger et praticable. Mais le travail le plus important concerne le face replacement, le remplacement de visage de l'actrice principale. Cette dernière s'est entraînée à patiner pour le rôle, mais ne peut bien sûr pas faire les différentes acrobaties. C'est là qu'une doublure entre en jeu et qu'il faut intégrer le visage de l'actrice par-dessus. Pour les plans où elle est proche de la caméra, c'est une approche 2D où l'actrice joue sur fond bleu et son visage est superposé sur la doublure. Quand les plans sont plus complexes, l'approche est en 3D avec son visage virtuel. Pour l'obtenir, ils font appel à un studio français, Esco, qui s'occupe de scanner le visage de Margot Robbie. Ce type de système s'appelle un light stage, et la forme est sphérique. L'actrice s'assoit au milieu et des dizaines d'appareils placés sous tous les angles la prennent en photo avec un éclairage neutre, constant et sans ombre portée. Leur dispositif permet d'obtenir non seulement un modèle 3D, mais également la texture de son visage. Ils font d'ailleurs une texture neutre ainsi que deux textures avec un maquillage différent qu'elle porte dans le film. Sur le tournage, lors des scènes de patinage, 6 caméras autour d'elle la filment pour faciliter le tracking étant donné qu'elle tourne constamment dans tous les sens. Contrairement au labyrinthe, la doublure cascade possède des marqueurs pour simplifier l'intégration du visage virtuel. La superposition est en réalité un mélange de tracking, qui est une tâche automatique, et d'animation keyframe par les animateurs, qui est une tâche manuelle. Le visage est travaillé dans le logiciel Maya et rendu dans le moteur V-Ray. Et le meilleur pour la fin, La forme de l'eau, également sortie le 21 février, est réalisée par Guillermo del Toro. Les studios sont Legacy Effect pour les effets spéciaux et maquillage, et Mister X pour les effets numériques. Il y a approximativement 600 plans truqués. La créature est un costume conçu par le studio Legacy Effect, et porté par l'acteur Doug Jones, qui était déjà en costume dans Hellboy et le labyrinthe de Pan, du même réalisateur. Le design de la créature commence en 2014 et prend plusieurs mois. À la demande de Del Toro, le costume n'est pas en silicone mais en caoutchouc, ce qui lui permet d'être plus léger et plus confortable, bien que quelques éléments translucides soient en silicone. 4 versions sont fabriquées. Les branchies du personnage sont des animatroniques commandées à distance, avec l'installation à l'intérieur du costume. Il faut 3 heures par jour pour l'enfiler, ce qui s'avère relativement rapide vu son ampleur, avec en plus de l'électronique. Au final, 90 personnes sont impliquées dans la création du costume et de son maquillage. Cependant, il faut noter que la créature n'est jamais complètement un costume. Elle est toujours augmentée et améliorée avec l'image de synthèse. Pour obtenir un modèle 3D, l'acteur en costume est scanné par 60 appareils photo à très haute résolution. Pour le visage, le comédien ne peut bouger que la bouche. Le reste, comme le nez, les joues, les yeux ou encore les sourcils, sont animés du modèle 3D. Les mouvements et clignements des yeux sont donc numériques. Certains micro-mouvements sur la tête ou le corps sont également ajoutés. Par contre, à chaque fois que la créature est sous l'eau ou en train de nager, elle est entièrement virtuelle. Pour animer le visage de la créature, il scanne le visage de l'acteur Doug Jones plusieurs fois avec toute une gamme d'expressions faciales différentes, pour être en mesure de les reproduire fidèlement sur le modèle 3D de la créature. La bioluminescence du personnage est ajoutée après coup, bien que des tests ont été faits avec de la peinture UV éclairée par des lumières ultraviolets, qui n'ont finalement pas abouti. Dans la scène de la baignoire, les plans alternent entre l'acteur en costume et le modèle virtuel. Au final, on peut dire que la créature est un costume à peu près 90%. Pour les scènes sous-marines, ils utilisent la technique du dry for wet, sec pour humide. Cela consiste à filmer sur un plateau de tournage en donnant l'impression que l'on est dans l'eau. La caméra ne filme pas à 24 images secondes, mais à une cadence plus élevée pour ralentir le mouvement. Et pour l'atmosphère, c'est donc un mélange de lumière volumétrique, de projection d'image d'un éclairage dit caustique, que sont ces rayons lumineux typiques d'un éclairage aquatique, ainsi qu'une bonne grosse dose de fumée sur le plateau. Pour le reste, l'actrice ainsi que des parties de décor et accessoires sont suspendues à l'aide de câbles. En post-production, ils effacent donc les câbles, rajoutent davantage d'effets atmosphériques, avec par exemple des bulles et des particules, ajoutent des meubles flottants en 3D, et puis bien sûr les cheveux et les vêtements de l'héroïne, également virtuels, dus au changement de gravité. Pareil sur ce plan, l'éclairage volumétrique est rajouté, les câbles sont enlevés, les cheveux remplacés,
des bulles sont intégrées avec un brouillard amplifié. Sur ce plan, vous pouvez admirer un magnifique câble en plein milieu de l'image qui devait être bien sympa à effacer, pour peu qu'il bouge. Et on peut également remarquer que l'actrice possède des trackers sur le visage pour plus facilement positionner ses cheveux numériques. Le studio Mister X se trouve à Toronto au Canada, justement le film a été tourné. 160 graphistes ont participé au long métrage.